Yo les amis, c'est Fritz, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Nous allons tester le tout dernier jeu de Nico. Un jeu qui est vraiment sympa parce qu'en fait il a pris les dessins que certains abonnés avaient fait et grâce à ces dessins il en a fait tout un jeu vidéo. Je trouve le concept vraiment super cool et le pire c'est que le jeu a l'air lui aussi super cool. Donc je me suis dit pourquoi pas tester ce jeu de dessin avec vous. Sachant que j'en suis pas à mon premier de jeu de dessin, j'en ai quand même déjà fait pas mal sur la chaîne. Et d'ailleurs en parlant de dessin, j'ai quand même bien envie de vous montrer à quel point je suis talentueux en ce qui concerne le dessin. Donc je vais vous concocter un petit dessin des familles, vous allez voir, attention, concentration. Attention, je sais que vous êtes nombreux à attendre ce moment. Regardez mon dessin. Il est beau, hein? Ah ouais, c'est magnifique. Pourquoi j'ai comme le sentiment que vous avez pas l'air d'être convaincu. Tant, on peut pas dire que j'ai pas mis le cœur à l'ouvrage. Bref, les amis, j'espère que vous êtes chauds. C'est parti pour cette découverte. Alors que la nuit était tombée, le jeune Jack dormait profondément. Waouh, une soucoupe volante incroyable débarque et Jack se fait enlever. C'est fou! C'est alors que des extraterrestres l'emmenèrent dans leur soucoupe. Et nous commençons le jeu, je ne peux pas, c'est rare, mais quoique... Bonjour Jack, si nous t'avons amené ici, c'est parce que tu es notre, je sais pas quoi, notre sauveur. Votre sauveur? Qu'attendez-vous de moi? Notre planète est envahie par les monstres. Seul un humain peut en venir à bout de ces créatures. Leur chef se trouve également sur notre planète. Mon dieu, les créatures envahissent aussi notre vaisseau. À toi de jouer. Pas de soucis frérot. Je peux utiliser la manette, alléluia, je suis content. Bref, c'est parti du coup, nous allons découvrir ce jeu. Déjà la musique est plutôt sympathique et tout. Graphiquement le jeu est plutôt propre. Franchement tout a été fait en dessin, enfin tout. Ce que vous voyez là, ces dessins là, bah c'est des dessins en fait dont Nico s'est inspiré avec les dessins des abonnés. Tout simplement. Je viens de récupérer une super arme laser. Oh là, une araignée, attention. Bim, allez ça dégage, one shot. Et je parle pas du let's play de rire, hein, bien évidemment. Continuons, on est trop, notre... Très bien, déjà j'arrive pas à parler. Hein. Et on vient de rentrer dans un nouveau monde, nickel, où on peut récupérer des petites pièces. Alors comme vous pouvez le voir en haut à gauche, j'ai 4 traits qui représentent clairement ma vie, mais je pense pas que ce doit être un jeu très compliqué. Je sais qu'il y a des boss, genre notamment là-bas, la pieuvre qui a l'air d'être bien gentille. Je crois que normalement c'est un boss qui devient méchant, enfin bref, faut pas se fier à son regard plutôt mignon. On verra bien plus tard. Oh mince, j'ai perdu. Bon, je retire ce que j'ai dit, c'est peut-être pas aussi simple que ça finalement. Dis-moi mon plateforme habituelle, pas de difficulté pour le joueur belge. Là par contre c'est compliqué parce que si on se prend ces pics là, je meurs directement sur le coup. Et il y a un double saut, c'est parfait. Donc voilà, utilisons le magnifique double saut des familles. Sans ça, on pourrait clairement pas y arriver. Allez, le bouton, bim, ça fait quoi? Ah, nickel, ça me fait sortir une petite plateforme et tout. T'es mal les arbres derrière, j'avais pas vu, mais ils ont des yeux et une bouche. Attends, je peux pas tirer vers le haut. Ah, mince. Je peux pas tirer vers le haut. Ok, très bien. Bah, du coup, je vais avancer, je vais prendre la fuite très clairement. Des fois, vaut mieux fuir quand tu vois que tu ne peux rien faire. Vaut mieux quelqu'un qui fuit que quelqu'un de mort. Oula. Ah. Oh, sympa. Stylé ça. On a la tête à l'envers. Attends, ça dégage ça. Casse-toi. Ne venez pas m'emmerder. Et hop, on revient de nouveau à la normale. Attends, je dois peut-être sauter dessus. Si ça ne fait rien, c'est que je dois sauter dessus. Certainement pour éviter que je tombe dans la lave. Il va peut-être m'emmener de l'autre côté. Pourquoi il se ramène plus? Ok, c'est bon, j'ai eu peur. Imagine, il m'aurait laissé là. Comme ça, il m'aurait planté là. Et j'aurais été obligé de me suicider. Non, heureusement, ça va. C'est juste que c'est long, mine de rien. Hop. Voilà, je suis arrivé à bon port comme on dit. Et j'ai réussi cette phase de jeu là. On passe peut-être à un nouveau monde encore. Voilà le fameux boss dont je vous parlais les amis. Le boss pieuvre. Ça dégage les sbires, on va les dégager vite fait bien fait. Il est dégueulasse, ma pieuvre est dégueulasse. Moi je veux pas me battre contre ça gros, j'ai aucune chance, c'est impossible. Vas-y vite, cours Billy, cours. Ah non c'est Jack qui s'appelle, cours Jack, cours. Ah mince, je suis bloqué. C'est un cul-de-sac, je crois que je dois réellement l'affronter en fait. Donc je vais revenir en arrière, recours vers de l'autre côté Jack. Bon il faut que j'esquive tout ça. Genre je comprends pas trop comment est-ce que je peux en fait abattre déjà premièrement ses sbires et de deux atteindre la pieuvre. À moins que de l'autre côté il y avait genre la sorte de vieille sangsue dégueulasse qui pouvait m'amener vers l'autre côté. Je sais pas en fait. Ah si, y a moyen avec les doubles sauts. What, je tue un sbire, c'est bon. Et c'est ainsi que Jack peut retourner sur Terre après avoir sauvé l'univers de la pieuvre démoniaque. Eh bah écoutez, c'est la fin de ce jeu. Je pensais tellement pas mec qu'il allait être aussi court. Mais écoute, court mais intense. Quoi, j'ai déjà dit ça plusieurs fois dans d'autres vidéos? Non, c'est totalement faux.
Bref, bah écoutez les amis, c'était quand même bien bien cool, hein. J'adore découvrir les jeux Nico, c'est toujours des jeux amusants, fun, mignons ou pas, mais qui sont toujours très très cool à jouer. Ça permet aussi de pouvoir vous faire découvrir un petit peu les jeux de Nico, qui est un excellent développeur de jeux. Du coup, bah n'hésitez pas à aller télécharger le jeu qui est dans la description, à me mettre dans les commentaires ce que vous en avez pensé de ce jeu. Le petit pouce bleu aussi, ça coûte rien, ça mange pas de pain et ça fait toujours plaisir à votre bon vieux frite. Abonnez-vous ici si ce n'est pas déjà fait ou checkez deux de mes autres vidéos ici. Et bien évidemment, votre frite comme toujours, prenez soin de vous, portez-vous bien. Bye bye tout le monde.